Center for Artificial Intelligence, le SCAI, vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour rendre hommage à M. Pitras, qui nous a quittés en octobre dernier. Nous l'appelions M. Pitras, jamais Jacques, par respect. Cette journée est très émouvante pour la plupart d'entre nous, puisqu'elle évoque de nombreux souvenirs de M. Pitras au cours des quelques 50 dernières années, pendant lesquelles il a été notre mentor, notre ancien directeur, notre collègue. Jacques Pitras a été la source du développement de l'intelligence artificielle à l'Université Paris 6 et plus généralement en France. Il était le pionnier de l'IA en France. Nous qui sommes réunis aujourd'hui, nous lui devons tous notre enthousiasme pour l'IA et nos succès en la matière. Très rapidement, après le lancement de l'intelligence artificielle par l'école d'été de Dartmouth en 1956, Jacques Pitras a commencé en 1960 une thèse d'État traduisant le terme « artificial intelligence » en français, comme il le racontait volontiers. Il a soutenu cette thèse sur la démonstration de théorème en 1966, tout en travaillant au laboratoire central de l'armement, où il était depuis 1959 adjoint au chef du service des machines à calculer. Il a ensuite réalisé un des premiers programmes de General Game Playing, qu'il a publié en 1968 dans une conférence IFIP. En 1967, il est entré au CNRS et il a été affecté à l'Institut Blaise Pascal du CNRS, rue du Maroc, dans le 19e, qui a été constitutif de l'informatique à l'Université Paris 6, devenue Sorbonne Université. L'Institut Blaise Pascal a donné naissance en 1963 à l'Institut de programmation, berceau de l'informatique à Paris 6, au sein duquel nombre d'entre nous ont découvert l'informatique, y compris l'intelligence artificielle et en particulier les cours de Jacques Pitras qu'il a donné dès 1967, enseignant à partir de 1968 dans la nouvelle maîtrise d'informatique créée par Jacques Arsac. J'ai moi-même suivi le cours de maîtrise de Jacques Pitras en 1969-70 et j'ai choisi de faire un des deux modules de mon DEA avec lui en 1970-71 en réalisant, comme beaucoup d'autres, une fin de partie d'échec dont je garde encore les cartes perforées dans un grenier. Il a été directeur de recherche au CNRS de 1967 à 2000 et mérite encore quelques années au sein du laboratoire dont les noms se sont succédés au fil du temps, passant du groupe de recherche GR22 Structure de l'information au laboratoire Claude-François Picard en 1979, puis au Laforia en 1986, avant d'être fusionné avec deux autres laboratoires pour constituer le LIPSIS en 1997. Si Jacques Pitras était un membre fondateur de l'intelligence artificielle mondiale, et mes collègues s'attacheront à vous le démontrer tout au long de la journée, il était aussi un pilier de notre laboratoire, auquel nous témoignons aujourd'hui notre attachement et notre respect. Il y a en particulier encadré 70 thèses entre 1967 et 2000. Beaucoup de ces anciens doctorants sont ici présents pour leur rendre hommage et je suis heureuse de leur laisser la parole. Il se trouve qu'en 82, quand j'étais étudiant en DEA à Grenoble, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques lors d'un dîner que mon directeur de thèse Jean-Claude Latombe avait organisé en l'honneur de la venue de Jacques qui venait faire un séminaire. Et je me souviendrai assez longtemps de ce dîner qui, en fait, est sans doute un des éléments qui a fait que j'ai épousé un peu plus derrière la vocation de chercheur et le domaine de l'intelligence artificielle. Cet élément personnel vous ayant été restitué, en fait, depuis 10 ans, j'ai aussi bénéficié des conseils bienveillants de Jacques qui m'écrivait de temps en temps sur tel ou tel point et je le consultais de temps en temps sur tel ou tel point. Et j'appréciais beaucoup que Jacques, chaque année, soit aussi fidèle à l'Assemblée générale de la FIA qui a lieu en octobre, en général à Dauphine, où on est toujours assez peu. Je regrette qu'on ne soit pas plus d'ailleurs. Donc, en mémoire de Jacques, je ne peux que vous inviter à poursuivre son assiduité à venir aux assemblées générales de la FIA. En tous les cas, Jacques a beaucoup fait pour la FIA. La FIA n'a sûrement pas fait grand-chose pour Jacques. En tous les cas, on a tous notre part, je dirais, de Jacques en nous. On a
au décès, à l'annonce du décès de Jacques, grâce à nombre d'entre vous, j'ai pu assembler une page en mémoire de Jacques qui a pu être distribuée à la famille avant en fait l'inhumation. Et j'en étais très heureux. J'étais moi-même à l'étranger à ce moment-là. J'ai pas pu être à l'enterrement. Je le regrette. Mais quelque part aujourd'hui, c'est un peu une séance de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas pu y être. Voilà, donc on a décidé au-delà de cette page. Alors je vous renvoie à cette page, on aurait pu l'imprimer, vous la distribuer, mais nombre de vous l'ont déjà lue. Si jamais vous ne l'avez pas lue, vous pouvez la récupérer. Elle a été publiée dans le dernier bulletin de la FIA, donc il vous suffit d'aller sur le site de la FIA dans les bulletins, et je crois que c'est le 107. Et vous retrouverez la page en hommage de Jacques. Et puis, on a discuté au niveau du CA de la FIA, on a dit faut faire quelque chose. Alors on a demandé à gauche, à droite, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'est-ce que vous proposez de faire. Et ce n'est pas si simple de décréter des choses. Comme vous le savez, on peut juste lancer des idées, on peut être reposé sur la bienveillance de chacun et le concours de chacun. Et je voudrais déjà remercier tous les contributeurs de cette journée. Je pense que c'est des exercices qui ne sont pas si faciles à faire. Enfin, en tous les cas, pour moi, ce n'est pas des choses faciles. Et donc, pour vous, j'espère que c'est plus facile. Mais en tous les cas, je vous remercie tous d'être venus pour participer à cet hommage à Jacques. Côté AFIA, on n'ira pas plus loin. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait un enregistrement vidéo de cette journée. De sorte que la mémoire se propage. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie, y compris ceux qui ne vont pas parler, d'être ici pour rendre aussi cet hommage. Avant toute chose, je voudrais remercier le LIP6 et l'ISC pour nous accueillir pour cet hommage national. Comme je l'ai dit, Laura Jack dépasse clairement l'écosystème parisien. Tout le monde sait ça, les provinciaux aussi. Et donc merci au LIP6 et ISC pour nous accueillir. Après, donc merci aux orateurs. Et je voudrais aussi remercier la famille de Jacques qui est présente de façon bienveillante. Madame Pitra nous rejoindra à la pause. Et donc, merci à tous. Et un grand merci aussi à Alain Berger, qui, sans l'aide duquel j'aurais pas pu, enfin, la FIA n'aurait pas pu monter cette journée. Alain, je te passe la parole. Merci Yves. C'est l'ancien étudiant qui a fait une faute un jour en présentant son projet de DEA. Je m'approche de M. Pitra et je lui dis bonjour professeur. Oh là là, l'erreur. Je suis chargé de recherche au CNRS, je ne suis pas professeur. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux, on ne connaissait pas tout le pédigré de ceux qui nous convertissaient. Parce que je pense que se tourner vers convertirait, oui, il m'a converti à la métaconnaissance. Ce programme sur les déclencheurs, qui est quand même une simple plaisanterie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai toujours en mémoire, et je me rappelle le petit oubli que j'avais fait dans la petite programmation qui fait que je n'avais pas eu la note maximale. Mais ce qui était extraordinaire chez cet homme, c'est sa bienveillance et tous ceux que j'ai pu contacter. Et je vais remercier aussi ceux qui m'ont aidé à monter ce programme, je dirais tout à fait exceptionnel. J'imaginais pas pouvoir rassembler dans une même salle autour ce projet de recherche permanent, puisque Jacques Pitra a présenté encore un an avant son départ une conférence au colloquium ici.
réunir autant de ses amis, de ses copains, de ses disciples, de ceux qui partagent cet amour de la recherche, de la rigueur et de la bienveillance. Je salue la famille qui a répondu présent aussi. C'est aussi très réconfortant pour nous d'être membres quelque part de cette famille. Et puis, merci à Monique pour ton aide. Merci à Dominique aussi pour son fichier sur ceux qui ont eu en directeur de thèse Jacques. Je me suis permis de prendre des photos que j'ai prises au hasard de certains de mes voyages, mais l'arbre de vie de Klimt me paraissait pas mal parce que tous les sujets liés à la généricité, la généricité, c'est vraiment un excellent outil. Jacques me confirmait ça suite à des échanges sur le rapport d'un député mathématicien qui se lance à la mairie de Paris. D'ailleurs, bon, nous sommes à Paris. On fait cette réunion dans cette salle. Et pour la petite histoire, sachez que j'ai osé demander à la mairie de Paris d'avoir une salle à l'hôtel de ville. C'était complet. Bon, là, avec le coronavirus, ils vont avoir de la disponibilité. Je voulais aussi donner un clin d'œil, parce qu'il y a deux jours, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale par un autre député, parce que figurez-vous qu'il y a un projet de loi constitutionnelle relative à la charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Donc c'est franchement, on avait beaucoup d'avance, mais Jacques Pitras avait encore plus d'avance. Et les travaux sur Kaya, dont on va parler aujourd'hui, eh bien, monsieur le député n'était pas au courant, donc je l'ai invité à venir, mais bon, son agenda n'était pas suffisamment souple pour qu'il puisse être présent. Bah écoutez, eh bien, il sera au forum. Eh bien, merci Yves. Donc, je vous souhaite de profiter de cette journée. Je remercie encore tous ceux qui vont s'exprimer. Comme le dit si justement Yves à l'instant, vous venez des quatre coins de la France, mais vous venez aussi de Suisse. Vous venez, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de Londres. Je ne vous connais pas tous. Hein, et je voulais vous remercier d'être présents. Et on aura une petite surprise grâce à Amal qui nous a mis en connexion avec quelqu'un qui est un ancien élève de Jacques qui était au Mexique. Et on aura un petit témoignage depuis le Mexique. Belle journée à vous tous.